au cinéma africain. Lies of Eyes en anglais, Illusion ou mensonge des yeux en français, c'est le titre du film projeté dans la salle de cinéma de Chobez à Kinshasa. C'était sous les regards de la ministre provinciale de Culture et Arts, Madame Yvette Tabou. Je ne vous en dis pas plus, suivi. La salle de cinéma de Chobez dans la commune de Ngaliema à Kinshasa dans la capitale congolaise a servi de cadre ce vendredi 23 juillet 2021 à la projection du film court-métrage intitulé Lies of Eyes en anglais, Illusion ou mensonge des yeux en français. Ce film est du réalisateur congolais Patrick Olondo Washilo. Sous les hauts patronages du commissariat général en charge de la culture, arts, médias, communication et NTIC, ainsi que du Real Art Studio, cette rencontre cinématographique a connu la participation des personnalités culturelles et des nombreux cinéphiles venus pour la circonstance. M'aimes-tu encore ? Toujours. Moi, c'est Kenzo. Ravi de te rencontrer, Kenzo. J'imagine vivre avec toi dans un monde où nous serons qu'à deux. Un monde parfait, quoi. Ce court-métrage de 21 minutes relate l'histoire d'une fille aux multiples personnalités. Les personnages de Katerina est interprété par Brenda Moya Tolende, elle-même une personne perdue dans un style de vie fantastique, des identités différentes. Elle nourrit son âme d'un monde illusoire où elle est tout le monde et pourtant personne. Tellement contente de voir ce film, d'avoir joué dans ce film. C'est pour moi un rêve devenir une réalité, une passion pour moi. J'ai toujours rêvé d'être devant l'écran, faire le cinéma, donc... Et puis, avoir le rôle principal dans le film Lies of Eyes, c'est vraiment une grâce et un rêve devenu réalité. Mais où es-tu, mon Kenzo ? Toujours au même endroit, à notre jardin secret. Autre rôle principal, celui de Kenzo, est interprété par l'acteur de renommée internationale, Jason Kurtz Golomingi. Tu es en retard. Trouve une solution enfin! Déjà dans la bande-annonce, j'ai constaté une telle qualité, autant des acteurs et autant de la cinématographie, si je peux dire, que je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai voulu faire connaître aux Kinois qu'ici, à Kinshasa, il y a des artistes, il y a des cinéastes, des réalisateurs, des producteurs qui peuvent nous donner un produit exceptionnel. Je deviens de plus en plus faible, mon amour. Katerina ! Messieurs, s'il vous plaît. Après la projection, l'équipe du tournage a été présentée au public et s'en est suivi les jeux de questions-réponses pour plus approfondir la compréhension de cette œuvre cinématographique qui revête un caractère illusionniste et surnaturel. Lorsque j'ai vu ce film, j'ai dit « il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'en parle ». Parce qu'à l'étranger, on en parle. La projection de ce film, une projection qu'on appelle intimiste parce que ce n'est pas grand public. C'est des personnes sélectionnées, ces personnes qui vont pouvoir parler de ce film, parler de leur travail pour qu'à l'avenir, on donne de l'importance à nos cinéastes dans ce pays. Lies of Eyes, c'est un film qui interpelle un peu la personne que peu importe ce qu'on peut, on peut connaître dans la vie, on est toujours fragile quelque part. Ça expose la fragilité de l'humain sous différentes formes. On peut croire être fort, costaud, on fait du sport, mais il y a un aspect interne qui peut être fragile et qui peut carrément faire sombrer tout ce qui reste. Aujourd'hui, mon pays a su m'attirer quelque part et ceci n'a pas été chose facile. Et ça a surtout été aidé par le ministère provincial de Culture et Arts avec Madame Yvette Tabou.
Aujourd'hui, on est censé faire la projection. C'est une sorte d'avant-première du court-métrage Lies of Ice que j'ai eu à tourner et qui a vu le jour depuis le février de cette année. Le réalisateur, il a vraiment été très précis. Il y a quelques petits détails à chaque point du film que lorsque vous n'êtes pour moi pas forcément cinéaste, c'est un peu difficile de voir. Même quand vous l'êtes, ça peut aussi être compliqué de voir. Mais c'était vraiment un film avec des petits détails sur un thème très complexe. Et les acteurs ont été absolument magnifiques. Moi, je suis un acteur, mais j'étais dans l'émotion de voir mon collègue Jason Curtis sortir ce qu'il a ressorti dans les films. Moi, j'ai vu un autre Curtis que je connaissais sur Lies of Ice. D'abord, pourquoi le film, le titre a été porté en anglais? Parce que le plus important pour nous, c'était d'essayer de parler du Congo. Pour parler du Congo, un Congolais, c'est très facile. Parler Lingala, Chiluba, toutes les autres langues. Mais on se disait, non, on veut que le Congo puisse être connu des autres peuples ou des autres populations du monde. Ce qui fait que si ce n'est pas le français, l'anglais est la langue qui aujourd'hui est quasiment bien répandue dans le pays. Et alors on s'est dit, bon d'accord, tout le film même a été écrit en anglais. Même les acteurs ont joué en anglais. Pourquoi? Parce que l'intention était d'aller pouvoir parler de l'autre côté pour pouvoir mettre de la voix. Dire qu'en fait, il y a un continent que vous connaissez certainement qui est l'Afrique et il y a un pays qui s'appelle RDC. Voici, on est capable de faire ça. Et maintenant, pour que vous puissiez comprendre, voici, on fait ça dans votre langue. M'aimes-tu encore? Toujours. Moi, c'est Kenzo. Ravie de te rencontrer, Kenzo. J'imagine vivre avec toi dans un monde où nous serons qu'à deux. Un monde parfait, quoi. Tant apprécié par tous, le court-métrage Lies of Vaillez ou Mensonge des yeux a déjà remporté plusieurs prix au niveau international et continue son chemin dans le monde du cinéma. Mais où es-tu, mon Kenzo? Toujours au même endroit, à notre jardin secret. Il a fallu que je puisse présenter ce film chez la dame, la ministre. J'ai essayé d'aller la voir et il y avait 4 trophées, mais j'en avais amené 2 trophées pour présenter. Voici ce qu'un Congolais a pu faire et le travail a été reconnu par les Américains, les Européens, les Africains, bien sûr, les Asiatiques. Et hier, qui est le 22, on a reçu une autre confirmation que le film a remporté encore un autre prix parce que ça a été sélectionné dans le festival Silicon Valley. Émerveillés par les autorités présentes dans la salle, ils ont émis le souhait d'accompagner les cinémas congolais vers la création d'une industrie cinématographique en RDC. C'est tout un circuit, mais que nous, en tant qu'autorité, nous devons organiser pour qu'on puisse mettre à disposition des cinéastes, réalisateurs, je dirais des cinéastes en général, les moyens de produire leurs œuvres. Parce que vous savez, le cinéma, si nous arrivons vraiment à développer une industrie autour du cinéma, je pense qu'il y a certains problèmes même qu'on dit de moyens que nous manquons dans ce pays. Rien que la culture en général et le cinéma en particulier, ça va beaucoup nous aider. Il faut y donner de l'importance. Dans ma position, je vais lancer le fonds de promotion de la culture de la province de Kinshasa. Parce que dans la province de Kinshasa, 70% des artistes vivent à Kinshasa, viennent se chercher à Kinshasa. Il y a le fonds de promotion culturelle au niveau national, mais aujourd'hui, la libre administration des provinces me permet également de fonder, de créer le fonds de promotion culturelle ici à Kinshasa. Avec ce court-métrage, les Congolais pouvaient se reconnaître. Justement, certains Congolais ou Congolaises peuvent souffrir de maladies mentales, mais ça reste très tabou. Et ce court-métrage permet justement de sensibiliser sur ces maladies-là, sachant que c'est un film 100% congolais, donc ce sont des réalités également du pays. Juste le conseiller de s'écarter un peu de la solitude, parce que en restant solitaire, on s'imagine des choses. Des fois, moi-même, ça m'arrive à forcer d'être solitaire. Alors, du coup, je me crée des images, je réfléchis beaucoup et puis c'est pas bien. Je souhaite le meilleur, non seulement pour ce film et pour ce qui viendra après, le meilleur dans notre industrie, dans le cinéma et tout.
Le cinéma congolais n'a pas encore dit son dernier mot sur la scène internationale. Autre chose à présent, nous allons vous faire découvrir la vie et la carrière de l'acteur congolais Moïndo Pongo. C'est à suivre dans les scripts. Tu l'as libéré sur base de quoi? Mais c'est pas, ce n'est pas moi! Moi j'ai reçu un ordre! De nationalité congolaise, l'acteur de cinéma de catégorie A, Moïndo Pongo, a débuté sa carrière comme artiste musicien du style hip-hop. Moïndo Pongo évolue au sein du groupe de musique Strong Africa, performé dans les mélanges de styles funk et hip-hop. Moïndo Pongo livre plusieurs concerts au pays et à l'étranger sous les pseudos de Like Nike. Au cours de ses nombreuses prestations comme artiste musicien, Moïndo Pongo sera découvert par un cadre réalisateur coréen qui dénoua en lui les goûts du cinéma. De retour à Kinshasa, Moïndo Pongo sera déniché en 2012 par le réalisateur et professeur Balufu Bakufa Kalinda en lui confiant son tout premier rôle dans le film intitulé L'Esprit de Paix où il interprète le rôle principal d'un bandit. Il apparaît ensuite dans les films Triste Fin du réalisateur José Kirongozi, ensuite dans les films du réalisateur Pichu Tovo intitulé Meta Femme de Guerre. Ces trois apparitions lui donnent une place au sein du cinéma professionnel congolais. C'est alors qu'il se lance dans sa nouvelle carrière sous son vrai nom de famille, Moïndo Pongo. En 2016, il apparaît sur les castings de la policière intitulée Ndakisa, une série télévisée du réalisateur Ken Kalala où l'acteur est retenu pour interpréter le rôle principal du commandant Elombe. Aujourd'hui, je suis venu personnellement vous présenter le commissaire principal, le commissaire Elombe. Conçu pour redorer l'image de la police nationale congolaise, Ndakisa reste la série qui a marqué l'esprit des Congolais. C'est là que l'acteur Moïndo Pongo a vu sa carrière exploser. Il est certes encore difficile d'obtenir la collaboration de la population. Seul un service bien rendu peut permettre de gagner sa confiance. Alors faisons de cela notre cheval de bataille. Les courts-métrages Eden, toujours du même réalisateur Ken Kalala, met en scène Moïndo Pongo, qui interprète le rôle d'Adam à côté de la grande actrice congolaise Diane Kamanga, qui elle interprète le rôle de Eve. Dans les films Val Atteindre, l'acteur interprète le rôle principal de Val, un film qui raconte la dure réalité des comportements de certaines filles africaines. Là, toi, là, on te paye quand? C'est pas les 15. Bon, si j'ai travaillé, c'est mon salaire. Prépare-toi, tu vas quitter aussi ma maison. Ces questions bouillonnent dans mon cerveau comme de l'eau dans une marmite sur le feu. J'ai cru en l'amour. J'ai donné de l'amour. J'ai perdu l'amour. L'argent que je t'ai payé là, ça vient d'où comme ça là? Attends, d'habitude là, toi là, on te paye quand? C'est pas les 15. Boss, j'ai travaillé, c'est mon salaire. J'ai des problèmes à la maison, il faut que je règle mon problème de loyer et ainsi de suite. J'ai besoin de mon argent là. Attends, on t'a dit, je suis celui là qui entend de régler des problèmes des gens là. Boss, moi j'ai travaillé, j'ai besoin de mon argent. Mon frère, maintenant il n'y a pas d'argent. Il faut sortir. C'est toi effectivement qui n'est pas quand t'arrives pas à comprendre que ta place est dans la cuisine et pas dans mon lit. Dégage dit. Il apparaît aussi dans le film du réalisateur Jimmy Mbia, film intitulé Badaeya Arib. Oh non, tu m'abandonnes dans ce triste sort. Que veux-tu que je fasse? Qu'on partage les lits conjugales? Dis pas mon guide.
Son tout dernier film est Cœur d'Afrique du réalisateur Tchoper Kabambi, sorti en 2020. Un film de 52 minutes où Moïndo Pongo interprète le rôle de Gabriel Ngandou, un missionnaire congolais, à côté d'autres acteurs connus au niveau international, notamment l'acteur américain Brandon Olive et de la congolaise Amour Lombi. But when you talk to me, can you just try and talk a little slower? Your people did too many bad things to my people. Ceci est un film tourné en République démocratique du Congo. Voilà, ce numéro de Bomoko Film touche à sa fin. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement.